Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 6, les versets 12 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples, en choisit 12 et leur donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui fut le traître. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon qui étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais en était délivré. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous, acclamant la parole de Dieu en chantant. Alléluia, alléluia, merci bon Dieu. Pour belle part.